fil rouge est là. Alors l'idée, c'est de l'emmener là. Là-dedans. Es-tu prête à le recevoir? Bonjour YouTube World. Aujourd'hui, je vais procéder à l'installation d'un onduleur. Alors, je ne suis pas électricien, donc il n'est pas garanti que cette installation va être faite dans les règles de l'art. Si vous pouvez m'écrire dans les commentaires si vraiment je cours un danger. Donc, je vais tenter ma chance dans cette installation. Alors, il s'agit d'un Erayac. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, un Erayac acheté sur Amazon. Vous pouvez voir ça ici. Alors, magnifique onduleur. Alors, on me dit que c'est un 2000 watts. Donc, 2000 watts, 8104U. Alors, j'ai aucune idée ce que c'est. Alors, dans les commentaires, si vous pouvez m'aider. Depuis l'installation des panneaux solaires, eh bien, ma batterie est toujours pleine. Alors, aucune recharge à une prise murale depuis ce temps-là. Donc, je crois qu'on peut réutiliser cette électricité. J'ai fait installer une deuxième batterie en plus. Et les deux batteries sont super chargées. Donc, on va réutiliser cette électricité pour des appareils. On dit que je peux brancher des ordinateurs portables, des bouilloires électriques. Voyons voir. Alors, on peut aussi brancher. Ah, on dit des outils, des différents outils, une imprimante. Donc, toutes sortes de bébelles. Alors, voyons voir si c'est bon. Alors, voyons si je vais être capable de survivre à cette installation. Un fil rouge, un fil noir. Une prise noire, une prise rouge, un petit peu nerveux, on va essayer d'installer ça. Alors voici un cours d'électricité, chose à ne pas faire. Alors, on va mettre ça ici. Alors, j'ai installé le fil noir dans la section noir. Bon, alors la deuxième étape a été donc de la batterie à l'onduleur, fil noir avec fil noir. J'ai mieux isolé étant donné que j'ai pas de tape noir. Donc on va y aller comme ça. Ah oui, ok. Le fil rouge est là. Alors l'idée c'est de l'emmener là. Là-dedans. Es-tu prête à le recevoir? Évidemment. Ouf, ça a fait une petite flamèche. Ok. Cette lumière est allumée. Alors, je pense qu'on a un succès. J'ai relié ce câble-là à la télé ici. On va voir si ça fonctionne. Ah! Oh ben tabarnouche! Pour l'instant, on va appeler ça un succès. Ça va être de dégager les fils un peu ici. Notre panneau solaire qui nous indique que la batterie est pleine. Alors, l'idée, c'est de prendre ce magnifique onduleur ici. Magnifique onduleur qu'on a acheté. Et puis de l'installer ici à la place de l'instincteur, qu'on va lui sûrement déplacer un petit peu par là-bas. Alors, on y va. Bon, alors. Mmh.
petite décision ici. Ok. Alors, dernière étape. Ça va faire cette file ici, mais je pense qu'il va falloir vivre avec un petit peu. Alors, voilà, c'est installé comme ça. Alors voilà pour cette installation. Alors encore une fois, dans les commentaires, si vous voyez quelque chose de trop illégit, si vous voyez quelque chose qui pourrait être dangereux dans mon installation, ne vous gênez pas. Je ne suis pas un électricien, donc j'ai installé ça comme un monsieur tout le monde le ferait. Alors voilà, c'est tout. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez regarder la vidéo sans être abonné, mais on apprécie toujours de savoir que les gens qui nous regardent. Vous pouvez également m'indiquer si vous aimez la vidéo. Vous pouvez m'indiquer également si vous ne l'aimez pas en appuyant deux fois sur le pouce en bas. Et puis voilà, donc merci, à la prochaine.